من ذا الذي ما فاقت ومن له الحسنى فقد محمد الهادي الذي عليه جوري بهبت محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياخوذ بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياخوذ بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياخوذ بين الحجر الا وصل وسلم على سيدنا محمد باري الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومن باب العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا همة الشيخ وحضوري لنا بهذا المحضر والتعافي نزلة تعطيل الله الزهر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين من فهم مدرسة عمران سبحانه وتعالى من شر السورة وفات أسد وفات محمد صلى الله عليه وسلم que nous voulons notamment commencer le commentaire de l'être de chacun du tigère, probablement par amour. Et cela, pour répondre à un appel de notre grand chef, Cheikh Al-Abbas, quand il a recommandé aux disciples de narrer l'histoire de chacun du tigère pendant le mois sacré du Ramadan, mais aussi de parler de la profusion de lumière liée à la planète tigérienne sur la feuille d'or. Et pour cela, nous allons reconnaître le bienfait que Dieu a partagé sur nous. Et ainsi, nous allons pouvoir le remercier. Nous allons commencer avec la première lettre qui est la lettre qui se rapporte à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce sens que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala est le but de rechercher de tout bon jugeur. Et la dernière fois, nous avons dit que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala a plusieurs niveaux. Il y a la crainte du débutant. C'est celui-là qui crée la désobéissance en observant les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a la crainte d'Allah liée aux personnes qui sont dévoilées. Et quand nous parlons de dévoilement, il s'agit de personnes qui ont atteint un certain niveau de spiritualité. C'est ce qu'ils appellent Al-Fatro, c'est ce qu'ils appellent Al-Fana. Alors donc, toutes ces dimensions spirituelles-là, quand on les atteint, on n'a pas la même crainte de celui-là qui est débutant. C'est la crainte du cœur. Et la crainte du cœur, c'est avoir peur qu'autre chose ne se manifeste dans le cœur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce sens que le cœur est le temple de Dieu. Le cœur est l'habitat de Dieu. Et Dieu dit à travers un hadith sur le Tobussi, voici un ardi, voilà sa mère, il est immama, voici un ni mes yeux ne me contiennent, ni ma terre ne me contient. Et cependant, seul le cœur pur de mon serviteur ne me contient. Donc ce cœur-là, il est censé être la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand on parvient à purifier le cœur de la vanité, de l'ostentation, de la méchanceté, de l'avarice, de l'arrogance, et j'en passe, alors la maison devient véritablement la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette dimension tant recherchée par le monde, quand ils l'ont atteint, ils ne veulent aucunement que quelque chose vienne le distraire. Et cette chose-là, on est très bien qu'il vienne ou qu'elle vienne le distraire dans leur cœur, la crainte de Dieu est liée à cela. On a un peu plus grand Allah subhanahu wa ta'ala, que Dieu nous donne cette dimension. Alors donc, quand on a fini de lire cette partie, alors donc, quand on a fini de lire la première lettre à cette dimension, on s'est rendu compte que la lettre n'était pas encore finie et que la lettre devait continuer d'être lue. On a entamé la deuxième dimension de la lettre. Hier, nous avons commencé cela. Je vais le demander à M. Arabi de commencer cette deuxième partie. Alors, Seigneur, tout le monde, nous avons choisi le petit film de l'été, Fahiyawa, et la commune, la Mahalata. Merci de I'm
Ce dont je vous ai donné des informations concernant le wird de la tariqa tijaniya. Vous savez, il y a une différence entre al-wirdu et al-zikr. Le zikr, c'est l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui le fait une fois et qui le laisse tomber, la personne n'a pas fait du wird, la personne a fait du zikr. Le mot wird a été tiré du verbe warada yaridu. C'est quand la personne est, j'allais dire, circonscrite dans l'espace et dans le temps. Elle a adopté les moyens de refaire la chose tous les jours. Voilà pourquoi tout invocateur n'est pas pratiquant du virti. On peut invoquer Allah quand on est fatigué, on laisse tomber. Ça, ce n'est pas du virti. Parce que le virti provient d'un engagement pour y demeurer toute ta vie. Voilà pourquoi vous allez regarder dans toutes les tours au Sophia. Quand tu viens une école spirituelle, on parle plus du wird que du zikr. Mais pour que le wird soit important, c'est le zikr qu'on fait, mais de manière perpétuelle. La différence entre les deux, dans le wird, il y a la perpétuité du zikr. Mais alors que dans le zikr, tu n'es pas contraint de faire tous les jours. Si tu veux, tu le fais un jour, un mois, puis tu laisses tomber. Alors donc, dans la tariqa tijaniya, il y a ce qu'on appelle khasiyatul wird. Et Cheikh Ahmad Tijani disait, le khasiyatul wird baqiyatul ila qiyam as-sa'a. La spécificité du wird de la tariqa tijaniya. La particularité du wird de la tariqa tijaniya va demeurer dans la tariqa tijaniya jusqu'à la fin de temps. Et quand Cheikh Matiani a dit, pour tous ceux qui connaissent Cheikh Matiani, ils ont vu ça comme une grande garantie. Parce que les autres écoles spirituelles que nous avons précédées, Qadiriya, Chouaziriya, Nakshabandiya, Samusiya, Burhaniya, pour ne citer que celle-ci, il va arriver un moment
ce qui fait d'une école spirituelle ce qu'elle est. Non. On aura l'impression qu'elle n'existe plus dans ces écoles spirituelles. Parce qu'on va dans une école spirituelle, pourquoi? C'est pour parvenir à Allah. Voilà pourquoi on appelle At-Turuq ou At-Tariqa. Non. La voie, on ne l'emprunte pas pour le plaisir de l'emprunter. Non. On l'emprunte parce qu'on veut atteindre un niveau. Pourquoi? Mais ici, non, dans l'école spirituelle, on emprunte la voie parce qu'on veut atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Si le zik que nous faisons tous les jours, qui est le groupe de Wurda, peut nous permettre d'atteindre Allah, non, cette dimension-là, c'est ça qui est la particularité du Wurda. C'est ce qu'on appelle Khasiyatul Wurda. Voilà pourquoi Cheikh Mantane a dit dans un autre message, non, qu'il va arriver un moment où toutes les Turku Soufis seront une seule tariqa. Et Cheikh Ibrahim Nias a commenté cela. Non. Il a dit que cela ne veut pas dire que les autres tariqas ne vont pas exister. Oui. Les autres tariqas vont exister. Non. Il y aura toujours la Qadiriyya, la Fazliya, la Nashabandiya, la Sanusiya. Mais il va arriver un moment-là où seule la tariqa Tijaniya est capable de faire parvenir l'homme à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est comme si c'est elle seule qui est une tariqa authentique. Donc il dit que c'est ainsi que Chamadine a dit, que toutes les écoles spirituelles vont se confondre et elles vont devenir une seule école spirituelle. Parce que le pouvoir de faire parvenir l'homme à Allah n'existera que dans la période quotidienne. Et ça, ça doit nous amener à dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est ça aussi qui est le rôle de Khatm al-Awliya. Ça veut dire que tout ce que les autres saints ont cherché, ils l'ont eu à un moment, pour nous là-bas demeurer jusqu'à la fin des temps. Parce qu'en réalité, eux tous ne puisaient que de son sceau. Alors, cette particularité de la tariqa tiyaniya va demeurer. Aussi longtemps, madame, toute l'azgar, et la khasiyata, tapta. Alors donc, il dit, la mahala, iyakum wa tafkhrita fi mirdu. Et de ce fait, il vous met en garde de ne plus négliger votre mirdu. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans la tariqa tiyaniya, bien clairement. Tu le vois, il brandit les chapelets partout, en antijani, en antijani. Mais il ne fait pas de nazi, ni la voisine foi, ni le zik de vendredi. Pire que ça même, on trouve souvent des chefs de la tariqa tijaniya qui ne font pas la voisine foi. Ah oui, parce qu'ils ont atteint certains niveaux qui ne peuvent plus se mettre et se rabaisser à ce niveau-là. Voilà pourquoi cher, Iranis disait que Alain Baraï, que le serviteur de la tariqa tijaniya, il doit toujours combattre son ego jusqu'à ce qu'il parvienne à le maîtriser, afin que l'ego ne lui dise pas qu'il a atteint certains niveaux qui lui permet de se reposer, que les autres doivent travailler. Et malheureusement, c'est ça qui arrive à certains disciples de Cheikh Tijani. Et à quel disciple? Pas n'importe quel disciple. Ceux qui se disent Mokabdam et ceux qui se disent Cheikh. Parce que celui qui se dit Mourid là, il pense qu'il n'a pas encore atteint un certain niveau. Il est toujours en train de mener des efforts pour atteindre certains niveaux. Mais le piège là-bas, là, quand tu atteins là-bas, ne pense pas que tu atteins un certain niveau qui t'empêche de continuer à faire ton travail. Donc, Allah te fait du souhait, neuf souhait, Allah wa salat ila ma'amin, yurmihi anil abad. Il doit toujours fournir des efforts, qu'il soit chèque, qu'il soit mukaddam, à plus forte raison quand il est sept minutes. Dieu seul sait qui est le plus rapproché. Il dit, walaou marratan fi dahri. Le disciple de la tariqa tijaniya ne doit point négliger la tijaniya, ne serait-ce que pour un seul instant dans sa vie. Un seul lazim que tu négliges. Il se peut que c'est dans cette lazim-là que Dieu te veut te donner le fatwa. Et ils disent que celui qui s'est mis au service de Dieu pendant des années, et un seul jour se détourne de lui, il retourne en arrière de milliers d'années. Parce qu'il se peut que ce soit ce jour-là que la grâce de Dieu devait se parachever sur lui. Et comme toi, tu ne sais pas quand est-ce que
Dieu va te racheter de par sa grâce, alors tu as l'obligation toujours d'être présent. Et venir à la wazifa. Venir aussi le vendredi, c'est venir au grand rendez-vous avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que dans tous les deux, le prophète Mohammed est là. Qui ne veut pas partager un espace avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Quelle que soit ta grandeur de chèque, ça te fait plaisir d'être sur un lieu où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est là. Parce que tout ce que le disciple de la tariqa tiyaniya reçoit, le reçoit grâce à qui? Au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La tariqa elle-même en tant que telle, elle n'appartient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi nous disons toujours le cheikh Ahmed Tijani, que nous considérons comme le cheikh, lui il n'est que disciple de la tariqa Tijani. Il est le premier disciple du prophète Mohammed dans cette voie-là. Donc que Dieu nous donne la bonne compréhension. Il dit وشرط الورد المحافظة على الصلوات في الجماعات والأمور الشرعية. La condition du wird, c'est de veiller sur la prière en communauté et en assemblée. Et je dis que la jama'a, comme l'a dit certains faqahoun, que l'islam est ma fawqahu ma jama'a. Celui qui prie avec une personne, donc il sera deux, il a trouvé la prière en assemblée. Trois personnes, quatre personnes, cinq personnes. Si tu as eu même la chance d'avoir une grande mosquée comme celle-là, alors que tu habites à côté, tu es d'ici de Cheikh Ahmed Tijani. Cheikh Ahmed Tijani ne néglige point la prière en groupe. La wazifa, il ne la néglige point en groupe. Pendant son vivant, on a commencé à faire la wazifa deux fois, Bara Salat al-Asr et Bara Salat al-Isha et Maghrib. Mais Cheikh Ahmed Tijani n'a jamais fait de wird de wazifa Bara Salat al-Asr. Mais pourtant c'est permis. Pourtant c'est permis. Toute sa vie, la wazifa, il a fait Bayn al-Maghribi wa al-Isha. Alors il faut comprendre quelque chose. Que c'était un chef. Les petites choses, il n'aimait pas. Il aimait les grandes choses en fournissant des gros efforts. Et c'est ainsi qu'il veut que son disciple soit. Quand on dit que tu es disciple de Cheikh Ahmed Tijani, ça doit te faire peur. Parce que tu n'es pas disciple de Mbotsky, tu es disciple de quelqu'un qui avait une dimension de courage dans le travail de Dieu, que n'importe qui ne peut pas le suivre. Dans la main qui passera, on a raconté le chapitre de la calendrier. Il y a un passera. De tout le monde. Il y a tout le monde. À la candémie. Et tu dois veiller sur la prière rassemblée, mais tu dois veiller aussi sur la charia. Sur la charia. Le bon disciple de la tariqa Tijaniya, c'est celui-là qui veille sur toutes les recommandations de Dieu. Dieu, il a deux manières pour nous donner des informations. La première manière, elle est apte pour tout le monde. C'est la charia. La charia, tu payes n'importe quel courant, n'importe quel hadith, tu peux lire clairement ce que Dieu veut. Ça, c'est la première manière d'information venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième manière, c'est al-ilham. Et ça, Dieu lui donne au Saint-Homme. Ce sont les deux grandes manières d'information que Dieu lui donne. Pour le bonheur du mortel, il a tout mis dans la charia. Mais pour les êtres spéciaux, non seulement il y a la charia, il y a al-furubul ilahiyya allati tukta minidibral milhamad. Ce sont les compréhensions parfaites que Dieu te donne. Parce que ton cœur est pur. La yamassuhu ila mutaharun. Ce dont le cœur est purifié, il parvient à toucher le sens profond de tout ce que Dieu veut. Ce sont ces deux voies seulement que nous avons. Et nous prions Allah que Dieu nous donne le moyen de profiter de ces deux voies-là. Il dit quoi encore qui est très grand? Il dit Iyyaka wa libasa hullatil amani min makrillahi fi jami. Il dit je vous mets en garde. Ne pensez pas que vous êtes à l'abri d'être châtié par Allah alors que vous commettez des péchés. Quand tu commets des péchés et puis tu n'es pas infligé, et tu penses que toi tu commets des péchés et rien ne t'arrive, cela veut dire que toi là tu es tombé du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un mauvais signe. Ça veut dire que si tu ne prends garde, tu auras une mauvaise fin. Parce que quelqu'un qui commet des péchés, automatiquement, il doit se repentir. Mais s'il rapporte
de mentir, alors qu'il est repenti, alors qu'il est dans le zina, alors qu'il est dans les escroqueries, alors qu'il est dans ceci ou cela. Et en même temps, il voit que ses affaires marchent. Donc il est content. Non. Alors c'est comme le boucher. Dieu agit ici comme le boucher. Dieu agit comme le boucher. Et le boucher, qu'est-ce qu'il fait? Quand il va acheter un mouton qui est maigre, non. S'il ne vend pas assez d'argent dedans, pourquoi il est avec lui à la maison, il commence à lui donner à manger. Pourquoi le mouton il mange, et puis il pense que le boucher l'aime. Alors que le boucher ne l'aime pas, il veut l'engraisser pour mieux l'avoir. Et c'est comme ça que Dieu se comporte à ces 20 personnes. Toi, la partie comment tu mets dans l'affaire là, non. On a besoin que ton péché atteigne ce niveau-là. Donc que Dieu nous en préserve. Ah. Il n'y a pas cette personne, comme je l'ai dit, non. Qui peut avoir une garantie auprès de Dieu dans le péché. Non. La garantie ne s'obtient que dans l'obéissance. Qui que tu sois. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Fa'innaha aïnun halaki. Crois qu'on est à l'abri. Non. D'être châtié par Allah subhanahu wa ta'ala. Non. C'est ça la même que la destruction totale de ta personne vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Je dis bien croire en cela. Non. Parce que les actions ne suivent que les croyances. Non. Sois qui que tu sois, tu n'es que le reflet de ce que tu penses et de ce que tu crois. Non. Quand on te regarde là, non. On voit automatiquement ce que tu crois. Non. Et on voit automatiquement ce que tu penses. Parce que tu n'es que le produit de ces deux-là. Mais si tu penses que Dieu ne peut pas te châtier alors que tu n'as pas le péché, non. Tu es mal bon. Qu'est-ce que Cheikh Matin nous dit? Il veut des disciples qui sont forts. Des disciples qui sont purifiés de tout type de péché. Et tout ce qu'il a dit comme garantie, on ne peut l'obtenir que lorsqu'on se façonne avec ses valeurs. La tarika n'est pas un jeu. Non. La tarika n'est pas un emblème. Non. La tarika n'est pas une association musulmane. Non. On dit que tu rentres dedans un jour, et le jour quand tu n'es pas content, tu sois dedans. Non. C'est pas de ça qu'il s'agit. Non. On dit dans la bonne compréhension. Ah. Et de la carte de Fata'ati Ma'ajami Il-Khalki. Non. Et on doit faire l'effort de ne pas se couper de nos frères. Non. Ça veut dire quoi? Il peut avoir des petits problèmes avec ton frère. Non. Cherche la solution pour que vous prenez de l'auteur sur ça. Non. Mais automatiquement, tu te coupes de lui. Tu ne le parles pas. Non. Tu ne l'aides pas. Non. Parce que seulement il y a eu un malentendu entre vous. Non. Cheikh Matiani vous met en garde comme ça. Non. Et si vous regardez bien l'enseignement de Cheikh Matiani, toujours c'est basé sur Silatul Rahim. Non. Et Adab al-Khouwa. Il faut tout faire pour veiller le lien du sang, de sang, non. Mais surtout la fraternité tijanique qui est en vous là. Non. Il faut tout faire pour que l'amour et la concorde règnent entre vous. Malheureusement, ce que nous voulons aujourd'hui, ceux-là qui sont en désaccord, qui avantage, ce sont nous-mêmes les disciples de Cheikh Matiani. Et ça se passe entre nous-mêmes. Que Dieu nous en préserve, Inch'Allah. Donc, on va s'arrêter à ce niveau-là, Inch'Allah. Non. Et pour demain, on va continuer. Inch'Allah, Allah, subhanahu wa ta'ala, qui nous donne la bonne compréhension. Inch'Allah.